Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment nickel. Bon, Fortnite par-ci, Fortnite par-là. Franchement, Fortnite, c'est super bien, c'est vraiment trop cool comme jeu. Mais moi, je pense qu'on oublie trop nos classiques. Depuis quelques semaines, je vois qu'il y a les anciens jeux, par exemple, comme Minecraft ou même GTA, qui a rien à peu à la mode. Et c'est donc pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Du coup, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais manger comme dans Minecraft pendant 24 heures. Donc vous allez me dire, ouais, mais Pierre, franchement, ce concept, c'est trop simple, franchement, c'est trop facile. Et c'est pour ça que j'ai rajouté une petite subtilité au concept. Donc pour savoir ce que je vais manger, j'aurai 10 minutes et pas une seconde de plus pour trouver des trucs comestibles dans le jeu. Par exemple, bah, si je trouve un poulet, je devrais tuer le poulet et du coup bah, c'est ce que je mangerai au repas. Je sais pas si vous avez bien compris mais vous allez comprendre du coup dès que je commencerai la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo dès à présent si elle vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car c'est vraiment super important. J'en profite pour vraiment faire une petite pub pour ma page Utip, le lien sera d'ailleurs en description. Bref, comme vous le savez, code créateur Pierre-YT dans la boutique de Fortnite, ma chaîne secondaire en description et sur la fiche qui apparaît juste ici et enfin mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Bon, j'en ai terminé avec l'instant blabla, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage à tous. Voilà, du coup les gars, on est dans le monde qu'on vient de créer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le chronomètre, donc 10 minutes à partir de maintenant et pas une seconde de plus. Donc c'est parti, je déclenche le chrono dans 3, 2, 1, c'est parti, go, 10 minutes. Donc déjà là, il va falloir qu'on se fasse masse de bois. On se fait du bois pour pouvoir se faire des pioches, pour pouvoir se faire des établis, des planches de bois, des trucs comme ça, pour pouvoir se craft pas mal de trucs. Voilà, déjà on a tous les outils nécessaires. On va déjà aller chercher de la canne à sucre, au moins on sera sûr d'avoir quelque chose au moins de sucré pour le petit déjeuner. Tac. Oula, il y a des zombies. Tac. Ok, donc on a 5 petits tas de sucre, nickel, on a déjà ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire maintenant, vous me le dites tout de suite dans les commentaires si vous jouez à Minecraft ou si vous jouez à Fortnite ou à un autre jeu, dites-moi tout de suite dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est important que je sache. Vas-y là, faut que je me bouge les gars. Et c'est super stressant comme situation, franchement c'est vraiment trop super stressant les mecs. Bon vas-y, je trouve pas les gars, il reste plus de temps là. Non, qu'est-ce que je fais? Non. Le timer est fini. Je vais vraiment manger du sucre avec une fleur. Non, c'est pas possible. Bon bah, à tout de suite dans ma cuisine alors, hein. C'était un plaisir. Bon alors les gars, moi je suis très content. Pourquoi? Parce qu'actuellement il est 9h32 comme vous pouvez le voir juste ici. Et bah je suis super content parce que du coup dans Minecraft j'ai réussi à trouver quoi? Une fleur et du sucre. Est-ce que c'est un petit déjeuner ça? Non, je crois pas, non. Je vais vomir en vrai, comment je peux manger une fleur? Je sais même pas si elle est comestible en fait, du coup j'ai un peu peur. Ceci dit, elle sent bon, mais j'ai pas envie de manger ça en fait moi. Dès le début, le premier repas il est vraiment super hard, alors n'hésitez pas déjà à bombarder la barre des likes parce que franchement les gars, manger une fleur, c'est chaud, c'est vraiment hard, genre c'est dégueulasse. Et bah écoutez, du coup je vous souhaite bon appétit à tous et puis je vais déguster cette magnifique j'aime pas ce que c'est franchement, j'ai pas envie d'y aller mec hein. Allez, bon appétit à tous, c'est parti. C'est dégueulasse, c'est horrible. Je vais essayer un truc avec du sucre, ça devrait mieux passer hein. Avec du sucre je pense ça devrait mieux le faire, c'est bon bail le sucre. En vrai c'est beau mais c'est pas bon. Putain, mais qu'est ce que je fais mec, en train de bouffer des fleurs? J'ai raté ma vie je crois. Ah sa mère, ah du lâche, ah oh sa mère. Mais plus jamais ça gros. Oh c'est dégueulasse mec. Ah j'ai fait vomir, c'était horrible. Bon dans le doute autant prendre du sucre quand même hein. Oh c'est dégueulasse. Ça me brûle, ça me brûle les lèvres là. Faites pas ça chez vous, on sait pas si la fleur est comestible ou pas. Donc n'allez pas vous faire du mal en mangeant une fleur. Tout ça pour prendre exemple sur votre youtubeur préféré, lol. Du coup ce qui est bien c'est que mon petit déjeuner va être essentiellement constitué de pétales de fleurs et de sucre. Donc c'est un petit déjeuner vachement équilibré que tout le monde aimerait prendre tous les matins. Et du coup comme boisson on va prendre... Ah bah... Non. Ah attends, du coup j'ai pas pris de boisson tout à l'heure dans le jeu. J'ai pas pris d'eau ni rien, du coup comment je vais faire? Bah vas-y, je peux pas boire hein, du coup hein. Putain, le petit déjeuner de merde. Putain, ça me gratte de partout là, ça me brûle. Bah du coup ce petit déjeuner fut haut en couleur et surtout bah fut un peu nul, même très peu nourrissant parce que du coup bah là j'ai rien dans le ventre. Donc écoutez, bah là je vais retourner jouer à Minecraft pour trouver le repas du midi et espérons que la pêche entre guillemets soit meilleure que ce matin. Bah du coup voilà, je me suis bien régalé ce matin là, je me suis bien régalé franchement avec la petite fleur, franchement je me suis super bien régalé, c'était super bon. Là on va tout de suite commencer par prendre du charbon. On va prendre de la pierre et du charbon. Ah le fils de gentille maman. On va faire un petit four parce qu'il va falloir qu'on fasse chauffer des trucs à mon avis pour ce midi, j'ai envie de manger chaud tu vois. Je vais déjà préparer tout ce qu'il faut pour faire le four, ça évitera qu'on se fasse prendre bas par le temps. Je sais pas quoi faire les gars. Faut qu'on aille chercher du métal. Parce que là les gars en fait ce qui se passe c'est que j'ai grave soif. Ah j'ai pas d'épée, casse-toi. Non mais... Ok donc c'est bon les gars, j'ai retrouvé mon stuff. Il est là, yes papa. Il va crever. Il y a du métal, il y a du métal, il y a du métal. J'ai de la grosse chatte. Ok les gars, on va pouvoir se faire un saut du coup. Hein. Yes. Un petit saut. Voilà, on va remplir déjà notre seau d'eau. Attends, je suis obligé de manger un petit truc dans le jeu pour pouvoir subvenir à mes besoins. Parce que là, les gars, avec un petit cœur, je vais devoir mourir encore une fois, j'ai pas envie. Bon, du coup, les gars, c'est cool, on a déjà à boire pour ce midi. T'es à moi.
Merci. Comme ça au moins on est sûr d'avoir du poulet cuit. Je suis pas vraiment partant pour manger du poulet cru quoi donc bon. Non, vas-y, j'ai pas. Mec, j'ai quasiment rien à manger là, vas-y, il me reste plus de temps là. Vas-y, le temps est mort, c'est fini, c'est mort. Donc du coup j'ai du poulet rôti avec un seau d'eau et des algues. Oh non les gars. Des algues quoi, c'est l'horreur. Je vais vomir. Sans déconner, je vais vomir. Ok du coup les gars, ça y est, je suis très content parce que du coup il est midi 4 et j'ai pu trouver tout ce que je voulais. J'ai récupéré le petit poulet rôti, enfin petit façon de parler. Les algues qui je pense vont être pas très bonnes parce que voilà, tout seul ça doit pas être très ouf. Et du coup j'ai essayé de faire comme dans Minecraft, un espèce de seau d'eau, voilà, donc ça fait comme un seau rempli d'eau, voilà, comme vous pouvez voir il y a une petite anse pour tenir. Donc ça fait vraiment comme un espèce de seau d'eau. Bon je dois l'avouer, ça ressemble pas vraiment au seau de Minecraft, mais c'était la seule chose qui ressemblait le plus. Donc du coup ça va, heureusement qu'on a réussi à trouver un poulet parce que sinon je sais pas ce qu'on aurait mangé ce midi. Donc là on a le poulet rôti, donc écoutez, je vais le faire chauffer micro-ondes tout de suite et puis on pourra le déguster juste après comme dans Minecraft. Donc on va essayer de le manger vraiment en 2-3 mouvements comme dans Minecraft. Du coup on va clairement commencer par le plus compliqué, les feuilles d'algues, enfin les espèces de feuilles d'algues là, le nori ça s'appelle. Rien que ça déjà ça va suffire, hein. Ça va largement suffire parce que là je suis pas chaud du tout hein. Oh, c'est littéralement de la bouffe pour poisson ça mec hein. Bon allez attends, je prends tout d'un coup mon gars. On est sûr que ça se mange ça déjà ou pas? C'est horrible, c'est dégueulasse. Oh, c'est horrible, c'est un peu un truc de barbare ça hein. Mais vas-y du coup go. Tellement meilleur que les feuilles d'algues mon gars. Ah ça brûle. Et bah écoutez les gars, du coup il est actuellement midi 34 et j'ai terminé de manger le repas du midi. J'ai bu le seau d'eau, mon pain entier, il en reste encore un peu mais j'ai pas tout bu. J'ai mangé pas mal de poulet et puis j'ai mangé les algues pas top. Donc là ce que je vous propose de faire c'est d'aller tout de suite sur mon ordinateur pour jouer à Minecraft et retrouver du coup les aliments idéaux pour le goûter. Et bah du coup écoutez, on se retrouve tout de suite sur mon ordi et sur Minecraft. Coucou, c'est moi avec mon skin moche. Allez s'il vous plaît, je veux juste un petit village moi là, je demande pas grand chose. Je veux juste un village avec la nourriture dedans. Dis Siri, comment on fait une carte sur Minecraft? Je suis cogné dans mon placard. Donc là on est en train de chercher le goûter. Putain, je trouve rien, ça me saoule. Oh, oh mon gars, attends, espérons qu'il y a un truc bien dangereux. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? 3, 2, 1. Oh putain mec, un cookie avec du pain mec. Oh là 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 là, quel régal. Un cookie avec du pain, vas-y mec. Du coup le cookie je vais le prendre pour le goûter là. Et le pain je reviendrai tout à l'heure le chercher. Donc pour le repas du soir, je vais conserver le pain pour le repas du soir. Oh, je suis trop content gros. Ah yes, putain mon genre, un cookie à manger. Il nous reste encore 5 minutes pour chercher autre chose qu'un cookie pour le goûter. Peut-être avoir un fruit, genre une pomme ou un truc du genre. On a déjà au moins quelque chose à manger pour se goûter. Et au moins un truc à manger ce soir. Laisse-moi, 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 laisse-moi. Non. Bon voilà du coup les gars, regardez, du coup j'ai retrouvé mon stuff. C'est nickel parce que du coup voilà j'ai pu retrouver mon petit cookie. Voilà mon petit cookie que j'avais mangé. Regardez ce que j'ai en plus, voilà j'ai ma petite pomme d'amour. Voilà ma petite pomme. Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve tout de suite parce que du coup j'ai plus de temps pour chercher d'autres nourritures. Donc on se retrouve tout de suite pour le goûter, pour la dégustation. Oh les gars, oh je suis refait. Franchement en 10 minutes je pensais pas avoir le temps de faire tout ça. Le goûter idéal en fait, le goûter vraiment parfait. Mais je vais me mettre trop bien en fait. Bah du coup là j'ai la pomme dans ça et j'ai des cookies dans celui-là. Mais c'est franchement juste me mettre trop bien en fait pour le goûter. Donc c'est parti, je vais la nettoyer et on va la déguster juste après. Malgré le fait que n'oubliez pas, je suis allergique. Enfin je sais pas vraiment si c'est à la pomme en elle-même ou si c'est aux pesticides. Parce que ça me le fait sur certains fruits mais pas d'autres. Donc je sais pas du tout. Ah ouais du coup attendez, j'ai encore pas trouvé de boisson. J'ai pas pris de boisson du coup pour ce repas. Putain je suis vraiment trop du cul. Et bah du coup je vous souhaite un bon appétit à tous. Et puis moi je vais me régaler avec les pommes et avec mes petits cookies. Bonne maman. Ça y est, l'allergie commence les gars. Je peux pas finir cette partie de la pomme parce que là ça commence vraiment à me piquer partout là. Ah ouais, l'allergie commence, je reviens. En fait je sais pas si vous allez voir mais ma lèvre, genre la lèvre du bas, elle va commencer un peu à gonfler genre. Bon bref, c'est pas pour autant que ça va nous empêcher de tourner une vidéo. Même si je veux pas vous cacher que ça me démange. En fait ça me pique là, partout, et dans la gorge. Ça me démange dans la gorge. Je sais pas si ça le fait qu'à moi, dites moi dans les commentaires si ça le fait qu'à moi. Ou si vous aussi ça vous arrive, je sais pas mais moi ça me dérange vraiment. Ouh, ils ont l'air bons. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, je poste une photo toutes les semaines. Donc si vous voulez me voir, n'hésitez pas à venir me voir, ça s'affiche à l'écran. Ah oui, au fait, je vous ai pas montré l'heure. Du coup, il est 16h33, voilà. Ah ouais, mais du coup, je suis en train de réfléchir. J'ai réussi à faire un cookie. Ah, ça me fout le seum, putain, c'était trop bon. Du coup, je dois en manger qu'un seul. Bon bah, tant pis, ça me tente bien, mais bah j'en mange qu'un seul. C'est la règle, c'est le but. Allez,
On ferme le paquet. Bah écoutez les gars, du coup après avoir terminé le goûter, il faut absolument que j'aille retourner jouer à Minecraft. Pas parce que je suis accro, mais parce que si je veux manger ce soir, il faut absolument que j'aille trouver ce qu'il me faut. Donc comme pour les anciens repas, on va se retrouver tout de suite dans ma chambre en haut pour jouer à Minecraft. Donc je pense pouvoir trouver quelque chose de bon et je vais pouvoir me régaler enfin ce soir pour le dernier repas. Oh oui, des champignons. Oh oui. Bon déjà pour le soir les gars, on a des champignons. Ça c'est nice mon gars. Bah du coup les gars, j'étais récupérer le pain pour le soir là. Vas-y, j'ai plus de temps là, il me reste 30 secondes. Vas-y. Ah ah, casse-toi. Barre-toi. Non. Oh putain. Oh mec, j'ai des champignons, de la chair putréfiée et du pain. Comment je vais faire pour manger ça mec? Mon dieu, il est 19h35, c'est la fin de la journée. Et là, et du coup vous savez tous ce que j'ai pu récupérer pour manger ce soir. Oh putain, je suis pas prêt les gars. Sur trois trucs du coup, donc le pain, les champignons et la viande de zombie. Bah concrètement il y a que le pain que je viens de manger quoi. Ah oui, parce que du coup attendez, les champignons, je vais devoir les manger crus, j'ai pas pu les faire cuire du coup dans Minecraft. Ça va être dégueulasse. Mais du coup là c'est sûr, vous vous posez tous la même question. Comment je vais faire la viande de zombie, la viande putréfiée là? Bah c'est pas compliqué, j'ai acheté de la viande hachée et normalement ça se fait cuire. Mais là du coup je vais pas la faire cuire et ça sera pas bon du tout. Donc je sais pas quel goût ça a, forcément la viande putréfiée, mais je pense que manger de la viande crue comme ça, ça va pas être dingue non plus, tu vois. Regardez ce beau pain là. Vas-y, on va commencer par le plus compliqué, hein. La viande crue. Oh. 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 Dégueu. Moi qui aime pas le steak tartare ni rien, la viande crue et tout ça, c'est pas trop mon délire. Franchement, j'aime pas du tout. Hein. Je comprends pourquoi quand dans Minecraft tu manges de la viande de zombie comme ça, tu perds toute ta vie. Next. Bon attends, les champignons, à défaut de pas les faire cuire, on va au moins retirer la peau. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce concept où je dois chercher la nourriture dans le jeu vidéo avant de manger cette nourriture. Moi je trouve que ça peut être un bon concept, une bonne idée de vidéo pour les futures 24 heures. Par exemple, pour mon 24 heures Fortnite, bah j'aurais très bien pu chercher par exemple, je sais pas, par exemple j'ai bu du mini shield et bah avant de boire le mini shield, bah j'aurais dû aller chercher du coup bah dans le jeu. D'ailleurs, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Une partie 2 de Je mange comme dans Fortnite pendant 24 heures. Parce qu'il y a plein de trucs du coup qui se sont rajoutés depuis que j'ai fait cette vidéo là. Donc si cette vidéo peut vous plaire et vous intéresser, et ben dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une partie 2 ou non. C'est horrible, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas bon. J'ai pas pensé, j'aurais dû les faire cuire dans le jeu. Putain, je suis trop débile. Vite du pain. Le champignon, c'était dégueulasse. Et ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans ma chambre. Parce que là, je viens de terminer du coup de manger mon repas du soir. Donc je vous propose de se retrouver dans ma chambre tout de suite pour le petit débrief de toute cette journée. Bon écoutez les amis, du coup voilà, c'est bon, j'ai terminé de manger comme dans Minecraft pendant 24 heures. Franchement, c'était pas top top, c'était un des challenges les plus compliqués que j'ai fait sur ma chaîne. Donc c'était pas ouf, franchement, je me suis pas trop régalé pendant ce challenge. Voilà, il en faut tout bien des challenges où on se régale et des challenges où on se régale pas du tout. Voilà, en tout cas, c'est terminé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager, mais vraiment, je compte sur vous pour vraiment vous abonner, c'est vraiment important les gars. Merci à tous ceux qui le feront. Et puis comme à chaque fin de vidéo, voilà, bah le mot du coup qu'il faut mettre si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est le mot assiette, voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez le mot assiette dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir visionné jusqu'ici pour ceux qui l'ont fait. On se retrouve vendredi prochain à 17h15 pour une prochaine vidéo. C'était Pierre. Et ciao ciao!